Salut à tous les bandits. Bon là, ce matin, on s'est réveillé et en fait, on a quelque chose dans la cage. Regardez. Et oui, le fait d'être à la campagne, ça attire pas mal de petits rongeurs. Donc on a mis une petite cage parce que j'aime pas trop les tuer en fait. À part vraiment, bah, des fois les souris, elles se prennent dans une petite tapette à souris, ça tant pis. Mais un rat, moi je suis incapable d'aller tuer un rat ou alors de lui mettre une grosse tapette et de le retrouver le matin tout mort avec du sang et tout, c'est pas possible. Donc j'ai trouvé la solution. Je le prends dans la cage et puis je vais le relâcher dans la forêt là où il n'y a pas d'habitation, où il n'y a rien, et je me dis au moins il aura une chance. Mais c'est pas possible qu'il reste avec nous. Ils ouvrent les paquets de farine, ils arrivent même à manger les boîtes en plastique où on a des, vous savez, de la poudre de noisette, des trucs pour faire nos gâteaux dans le haut-vent. Bah en fait ils ouvrent tout. Ils ouvrent tout, et puis on n'a pas le choix, on n'a pas de place. Donc ils ouvrent tout, ils mangent tout, et puis voilà, ils font des crottes partout. Non, c'est pas possible. Donc désolé, mais il n'y a pas de place pour toi, le rat. Alors voilà, j'ai trouvé un petit endroit là, je vais vous faire voir comment je fais quand je prends un petit rat dans la cage. Tu vas sortir pour le filmer? Non. T'y sleep. Ouais. Non, puis voilà, après les urines et tout ça, c'est pas trop bon non plus. Hein. Ouais, on sait pas ce qu'ils peuvent ramener. Après, c'est des rats des champs, c'est pas ce qu'il y a de plus malade, mais voilà quoi, faut éviter. On a un chien qui est mort avec la leptospirose. En plus, là, maintenant, on a Gamora qui est là. Si on peut éviter de choper des maladies, franchement, ça serait bien quoi. Faire un demi-tour comme ça à l'arrache au milieu. Normalement, le fossé, il est loin. On va se retrouver dans le fossé, tu vas voir. Donc voilà, on lui laisse une chance et puis bah ça se trouve il va retrouver ses frangins et frangines qu'on a relâchés. Il va se débrouiller en fait. Hein. Juste on le déplace. Moi je peux pas tuer les bêtes, hein, j'arrive pas. On a notre petit spot, hein. Il y a un petit passage, ils font toujours le même. Ils courent tout droit, t'as vu? C'est pas là. Je crois que c'est là. Ouais, c'est là. Voilà, c'est exactement là. Tiens. Hop. Je vais essayer de prendre l'appareil pour vous faire voir. Où tu sors? Non. Mais là, je peux le prendre de là. Hein. Là, tu vas bien le voir. Là. Ah bah vas-y. Alors, on ouvre la petite porte. Et tout ça sans sortir de la voiture. Un ratatouille. Hop, j'avance un petit peu. Viens pas me chiquer mes doigts. Hein. Ah, je trouve pas la poignée. Attends, je vais faire comme ça. On avance légèrement comme ça. C'est bon, tu filmes? Tu l'as? Et là, on le libère. Non, viens pas me chiquer mon doigt. Attention, normalement, il va se sauver tout droit. Allez. Sauve-toi, petit rat. Il veut pas partir? Hein? Je le vois plus là. Et là, il y a une voiture qui va passer, va sauter, va se faire écraser. Se couler un petit peu. Non, moi je peux pas ça. Non. Wow! Oh là là, il a sauté, tu l'as vu? Tu l'as pris? Je l'ai pris, ouais. Voilà. Il est libre. Vous aussi, vous avez des rats? Comment faites-vous? Allez, maintenant on retourne au boulot, c'est pas tout ça, mais on a des câbles à passer. En plus, j'ai foiré toute mon introduction, j'avais encore oublié de brancher mon câble. Je vous avais fait une petite chanson parce que j'étais arrivé dans le bus et en fait, il pleuvait. Et je vous avais fait la petite chanson. Petit escargot porte sur son dos. Sa maisonnette, il a plus de cheveux, il est tout heureux, il sort sa tête. Hein, c'est ça les enfants. Est-ce que je me suis trompé ou pas?
Et là, t'as tous les enfants. Mais non, c'est pas ça les paroles. Allez, c'est parti, on y retourne. Let's go. Bon, là, chose importante, ça allait pas avec mes fils. Je me suis pris la tête avec plein de choses. Du coup, on est parti sur Angers. On va au magasin et on va chercher toutes les lumières. Voilà, on va chercher toutes les lumières parce que je sais ce qu'on va mettre. Et il y a 2-3 lumières, on sait pas trop ce qu'on va mettre. Donc du coup, on va prendre la décision avec Charlotte. Et au moins, on aura toutes nos lampes et on saura comment faut passer les fils. Où les placer, tout ça, ça va être mieux. Ouais, voilà, c'est ça. Donc l'idée, là, ça serait de placer les... Bah, de tout cacher, mine de rien. J'avais dit que j'allais pas le faire, mais en fait, je vais le faire. De tout cacher dans les cloisons où il y aura l'isolant. Et les interrupteurs seront sur ces cloisons-là. Voilà, on va prendre des trucs avec détecteur de mouvement, on va prendre des trucs avec des télécommandes où on peut régler la chaleur de la lumière et on peut régler l'intensité. Ouais, très important. Ça va être bien, ça. Voilà, on a acheté tout à l'heure un petit dôme action à détecteur pour mettre dans le couloir et qui a l'air de fonctionner pas mal. Il a l'air d'être pas mal du tout, hein. Tu peux bien le régler et ouais. Tout, franchement. Donc sûrement on va peut-être en racheter deux si on peut, il coûte 12 euros et quelques. Voilà, on voit tout ça et on se retrouve après, là on va chercher ça, ça fait encore une après-midi de foutu aller faire les magasins. Mais voilà, demain ça se trouve, toute l'électricité elle est passée au niveau des lumières. En haut, attention. Ouais, et en haut, après voilà. Faudra faire les soutes. Exact, donc on va faire ça et on se retrouve après. Bisous les bandits. Tout à l'heure. Donc voilà, on est au magasin et en fait on va prendre ça. On va en mettre une dans le salon et une dans la cuisine. Alors je vous montre vite fait comment ça marche. Vous pouvez régler la teinte, blanc chaud ou blanc froid. Ok. Et vous pouvez régler après la puissance. C'est ça qui est vachement bien. Vous voyez. Ça vaut 90 euros, mais au moins on n'en met qu'une. Et c'est une lumière qui est vachement diffuse. Éteint, allumé. Voilà. Et puis, dans notre chambre, on en met une petite comme ça, parce que c'est suffisant. Et pareil, on peut la régler aussi, blanc froid, blanc chaud. Et moi, je trouve ça vachement bien. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ça, c'est ce qu'on va mettre. La petite, elle fait 34 euros. On va mettre dans la chambre et on en a deux comme ça à 89 euros. Ça revient comme si on mettait une 12 ou 13 spots en tout dans le car, qui coûte une vingtaine d'euros pour un spot. Donc au final, ça nous revient pareil si c'est pas moins cher. Bah, et puis ça sera plus facile au niveau des branchements. C'est plus facile, voilà, j'ai pas 50 000 fils à passer, c'est ça qui est bien. Quoi. Toi, t'en penses quoi? Ah bah ouais, non, ouais, moi c'est ouais. Top. Et voilà, que tu puisses régler comme on ça. On peut ouais. Les régler le chaud, le froid et en plus l'intensité. Quoi. Je trouve ça vachement intéressant. Bon, c'est sûr, c'est un budget, mais bon. Ouais, mais je pense qu'on sera content par la suite. Allez, go, on y va? Allez. Donc là, j'alimente ma prise de droite avec la boîte de dérive qui alimente la salle de gauche au niveau de la salle de bain. Ce qui fait pour la salle de bain, les toilettes, le couloir et la chambre, je parle bien des lumières, ça ira dans un seul disjoncteur. Ce qui fait que là, on aura 3 disjoncteurs de 10 ampères pour les lumières. On a les lumières de devant avec les prises, faible intensité, et les lumières de derrière. Je te parle et toi tu me filmes comme ça? Parce que je comprends rien. Ah, t'es pas chier. T'as écouté ce que j'ai dit? Ouais, mais je comprends rien. Tu peux répéter la question? Ah non, vas-y, t'es chier. Je suis en train de tout expliquer. Regarde, mon plan, il comment est propre. Comment voulez-vous que je... Regardez. Mon plan, il est propre. Comment voulez-vous que je comprenne ce qui me dit? Moi, j'arrive à me repérer. Bah, j'arrête alors du coup. Non, bah du coup, j'ai expliqué que je suis en train de me faire mes plans. Là, on attend les enfants, là, ils sont à la piscine, ils vont bientôt arriver sur leur cours de piscine. Et on a acheté les fils, les lumières et tout, et j'arrête pas de me prendre la tête. Enfin, je me prends pas la tête, j'essaie de m'organiser dans mes fils. On va s'organiser par secteur. On aura le secteur de devant, le secteur du milieu et le secteur de derrière. Là, on est dans les secteurs lumière et prise faible intensité. Je m'explique. On aura des prises qui vont être alimentées par un disjoncteur. Cette prise-là va alimenter une lumière. Enfin, cette prise-là alimentera une autre prise de l'autre côté qui alimentera une lumière. Voilà, ce que je veux dire, c'est que sur un fil, on va avoir une boîte de dérive qui vont pouvoir alimenter des lumières et des prises en même temps. Ça sera un secteur. Mais comme c'est du 1.5, ça sera juste des prises pour alimenter, vous savez, chargeur de téléphone ou autre. Après, on aura des prises qui seront alimentées par du 2.5 qui seront vraiment consacrées sur un seul disjoncteur. On aura un bloc 4 prises qui ira sur un seul disjoncteur, un autre bloc 4 prises qui ira sur un seul disjoncteur.
On aura un bloc, une prise radiateur au cas où, qui ira sur un seul disjoncteur. La prise machine à laver qui ira sur un seul disjoncteur. Tout ça des 16 ampères. Et les petites prises faible intensité et lumière, on les branchera sur du 10 ampères. Voilà. C'est ça que je suis en train de me mettre bien en tête. Et du coup, je voulais vraiment pas passer ça dans les côtés. Et en fait, je me retrouve à tout passer dans les côtés. Donc, on va passer tous les fils. Et une fois que la mousse, elle sera passée, on aura des fils qui vont sortir un peu de partout. Mais au moins, on sera tranquille. Si on veut, on pourra alimenter chaque prise au fur et à mesure qu'on avance dans nos pièces. Et en fait, je trouve ça bien. Et toi, Yaya, t'as compris ? Oui. D'accord. Ouais. Donc, j'ai qu'une envie, là, c'est de me mettre au boulot. Là, maintenant que j'ai tout mis dans ma tête, il faut que je me mette au boulot. Tu veux que papa il se mette au boulot ? Oui. Ouais, au boulot. Pourquoi tu veux qu'il se mette au boulot ? Pour partir. Donc voilà. Voilà, comme ça. On se retrouve tout à l'heure pour la suite. Je pense qu'on finira demain, tout sera pas fait ce soir. Ben non, t'es fou toi. Allez. Attends, on va rentrer, il va être 18h. Allez. À tout à l'heure les bandits. À tout à l'heure les bandits. Tu dis à tout à l'heure toi. Bon, et bien voilà, on a été chercher les lampes dans un premier magasin, le Roi Merlin. Ensuite, on a été Action pour prendre des lampes pour les chambres des enfants parce que c'était super cher à Action. Le Roi Merlin, je vais y arriver. Et là, on est en train de tester les lampes justement d'Action. Voilà, ça, c'est normalement les lampes qui vont être dans les chambres des enfants et aussi au niveau des parties pour rouler, vous savez. Donc voilà, normalement, vous mettez un coup. On va vous montrer ça. Les images vont parler d'elles-mêmes. On est en train de les tester avec on a fait un branchement de fortune, interrupteur, tout ça. Voyez, vous éteignez, vous rallumez. Ça peut en allumer deux ou alors ça n'allume qu'un seul. Donc c'est assez bien. Mais on en a une qui ne fonctionne pas. Donc celle-là, on va aller la faire échanger. Et sinon, tout le reste fonctionne. Je vais vous faire voir le dôme qu'on a acheté aussi Action pour le couloir, sur détecteur. Vous voyez, le dôme, il est là-bas. Je l'ai réglé à 50% de détection, en fait. Voilà, il ne détecte pas à 100%. Mais vous allez voir déjà comment ça détecte de loin. Hop, voilà, il s'allume. Là, je l'ai réglé à 5 secondes. Voilà, il s'éteint. Et en fait, ce qui est bien... Donc là, on est à côté... Celui-là, il y en a un qui va aller dans le couloir. On en a pris deux autres. Un pour les toilettes et un pour la salle de bain. Je vais quand même mettre un interrupteur au cas où, si jamais un jour je veux les changer, j'aurai toujours un interrupteur. Et en fait, voilà, tant qu'on est dans la pièce et qu'on bouge, dans la salle de bain, de toute façon, on ne va pas rester immobile plus de 5 secondes, je pense. Hein. Sauf quand on est en train de faire caca. Peut-être que Charlotte restera posée, immobile, le temps de pousser. Donc voilà, tant qu'on est devant la lampe, et qu'on bouge, elle reste allumée. Et c'est ça qui est bien. Vous voyez ? Je vais essayer de rester immobile. Voilà, c'est éteint. Après, si on arrive devant et on refait un mouvement, elle se rallume. Mais tant qu'on est dans la salle de bain et qu'on est en train de faire du mouvement, eh bien, elle reste allumée. Et dans le couloir, ça sera pareil. Quand on va ouvrir la porte du milieu, tac, ça va s'allumer. Et puis après, on peut trouver nos interrupteurs. Et voilà, on met quand même des interrupteurs partout. Donc là, on commence tout juste à monter ça. Donc voilà, là je me suis mis avec le trépied, c'est bien mieux pour vous expliquer. Ça, les fils blancs, je les renlève. Enfin, je vais le laisser, mais je vais modifier un petit peu le truc. Il y aura des petites boîtes de dérive qui vont être posées là, parce qu'en fait, je tirais beaucoup trop de câbles. Et comme on va faire par secteur, on va travailler en trois secteurs pour les lumières. Et prise, faible intensité, je tiens à le dire, faible puissance. On va travailler en trois secteurs. Donc comme ça, je pourrais mettre des boîtes de dérive, et puis ça pourra venir dispatcher dans les pièces. Ensuite, on a acheté du 2.5 pour mettre que sur les prises, là où il y aura vraiment des grosses puissances. Comme la presse à Charlotte, il y aura une prise pour un radiateur au cas où. Il faut toujours avoir un radiateur électrique quand on est branché, c'est toujours pratique, en mi-saison. Et puis aussi une prise spéciale que pour la vaisselle, que pour la machine à laver quand elle tourne avec sa résistance. Donc du coup, on remet tout ça, mais je tiens à préciser qu'à chaque ampoule, même si on a une télécommande, on pourrait les brancher en direct si on veut, c'est-à-dire on fait partir le fil jusque là-bas et on a la télécommande sans fil, on va quand même mettre des petits interrupteurs. Parce que si ça pète et ça me prend la tête, que j'ai envie de remettre des LED toutes simples sans, vous savez, sans la domotique, entre guillemets, et bien du coup, je pourrais les remettre. Donc salle de bain, toilette, chambre, il y aura quand même un petit interrupteur caché, même s'il sera toujours allumé au final parce qu'on va servir des télécommandes.
au moins on aura toujours un petit interrupteur. Là pour le coup, c'est vraiment au cas où. Donc voilà, là on va passer tout ça. On commence par le bout. On va commencer par là-bas avec Charlotte. Là il est quelle heure? On a mangé tout, il est 19h45. On va se faire un petit 2 heures de boulot là. Parce qu'on a passé trop de temps dans un magasin et là il faut qu'on avance. Donc il y aura un globe, il y aura un spot à droite et à gauche. Vous savez, sur les deux sièges côté route, ils auront un petit interrupteur et une prise aussi. Si jamais on veut brancher un téléphone ou une tablette, on pourra. Et en même temps, quand on roule, ils pourront allumer la lumière ou alors doucement ou alors fort. C'est ça qui est bien, c'est qu'on va pouvoir doser. Donc là, avec ça, tout ce qu'on a acheté là, on met les, je passe les fils partout. Et genre demain ou demain, fin de journée, il y a tout qui est passé, tout qui est prêt pour recevoir la mousse. Et on aura juste les fils qui vont sortir de chaque pièce, comme dans une maison en fait. On, bah, du coup, je ne voulais pas faire comme ça, mais on va faire comme ça. Donc au final, c'est pas plus mal. Voilà, comme ça au moins, on sera tranquille. Allez, on se met au boulot. Bah là, du coup, on est lancé. On va tester toutes les lampes, hein, même celles qu'on a achetées à Leroy Merlin. Tiens, il reste celle-là à faire. Parce que nous, on est doués pour ça. On achète des trucs et puis, genre un mois après, ça marche pas, quoi, tu vois. Donc là, on les essaye. Si on allait se coucher, ça te branche? Non. Pourquoi? Parce que j'ai pas fini. Donc tu veux pas être couché? Non. Tu fais quoi là? Je me mets domino dans mes boîtes de dérive. Fais ça bien, la France entière te regarde. Depuis tout à l'heure qui me surveille, alors je suis plus à ça près. C'est pas comme ça qu'on fait, les gens vont dire. Ouais, c'est pas grave, on s'en fiche. Du coup, tant que ça fonctionne, c'est le principal. Voilà, ça y est, regardez le merdier. Il y en a partout. C'est un truc de fou. Donc, en fait, ici, boîte de dérive qui sera moulée et noyée dans la mousse. Et oui, si c'est mal branché, bah tant pis. Mais c'est bien branché, donc ça ira. Voilà, donc ici on a une alimentation qui sera branchée sur du 10 ampères, qui va alimenter lumière salon, cuisine, lumière passager droite, passager gauche, avec chacun une petite prise. Voilà, il n'y a pas d'intensité, tout ça c'est branché sur un seul disjoncteur, on a largement de quoi faire niveau puissance avec ce disjoncteur-là. Ensuite, un autre disjoncteur qui va alimenter toutes les chambres, les 4 chambres et les 4 prises qui vont avec les chambres. Et ensuite, un autre disjoncteur qui va alimenter lumière et prise, toilette, salle de bain et notre chambre. Voilà, ça fait 3 disjoncteurs en 10 ampères, donc ça sera fini. Et ensuite, on attaque les grosses prises avec de, entre guillemets, la grosse intensité. Hein. On va mettre du 3G25. Normalement, c'est 3500 watts et quelques, mais on n'y aura jamais autant parce que le convertisseur, il fait 2500 watts. Donc, dans tous les cas, ça sera impossible qu'on crame un fil, en fait, tout simplement. C'est ça qui est bien. Il n'y aura pas de surintensité parce que le convertisseur, il va couper avant, il va se mettre en sécurité. Donc c'est plutôt cool. On va débrancher le néon et on va voir ce que ça donne, ces petites lumières. Ah, tu veux que je te le laisse un peu? Ou je peux débrancher? J'ai fini. C'est bon, t'as fini? Allez hop, bon, je débranche. Attention. Débranche. Nuit.
Voilà, bah lui, c'est un néon qui éclaire à donf, celui-là, donc faut pas faire attention. Le détecteur, ça va, ça c'est celui qu'il y aura sur le couloir. Donc je trouve que c'est pas mal, ça éclaire bien, je suis content, ça a 12 euros action. Et t'es morte. J'ai mal à mon dos. Non, j'ai mal au dos, sérieux. Ah. Et voilà, ça. Bon, après, c'est un peu traître parce qu'on l'a mis par terre. Normalement, c'est pas fait pour être par terre. Du coup, il éclaire le plafond, sachant qu'il y en aura deux comme ça, un ici et un dans la cuisine. Tu veux que je te filme et puis que tu mettes Tu peux plafond. Essayer de le retourner un peu, mais à mon avis, je vais pas, trop y arriver. Hein. C'est une part pessimiste, déjà. Non, mais c'est que j'ai pas beaucoup de marge en fil. Ah, là, en tout cas, ça nique les yeux. Et... Fermez-les. On n'est pas bien branché du tout. Non, ça éclaire bien. Non, c'est sûr, ça va couper. Je suis pas bien branché. Voilà ce que ça va donner. C'est pas mal, hein? Moi, j'aime bien. La petite télécommande pour le soir. Ambiance chaude. Charlotte, tu viens, on s'assoit sur le canapé. J'ai mal au dos. T'as mal au dos? Ah non, mais je suis pas trop doué, moi, pour les massages. Toi, moi, j'ai mal au dos. J'ai mal au dos d'un coup, ça m'a pris. Il va falloir qu'on vous laisse. Non, voilà. T'es contente ou t'es pas contente? Ouais, c'est, pas ouais, mal. C'est bien. Ça a l'air d'être pas mal. Et ça fait pas mal aux yeux. C'est ça qui est bien. Ça fait pas mal aux yeux. Donc, du coup, voilà. Il est quelle heure? Il est 23h15. Ah, il est 23h15. Faut y aller. Parce que si vous voulez voir cette vidéo, là, à 12h15, bah moi, c'est que j'en ai eu jusqu'à 4h du matin, là, hier. Voilà, enfin, ce matin, quoi. Là, cette nuit, je vais être sur le montage. Mais je suis content, on a quand même bien avancé. On a quasiment fait la moitié du quart, quasiment en lumière et prise faible intensité. Et après, on attaque les grosses prises, où on pourra mettre du lourd. Voilà, c'est parti. Sur ce, on fait un petit coucou à nos bandits. On vous laisse. Non, tu vas rien ah, dire. Ah, pardon. Voilà. Eh ben, bonne soirée, bonne vidéo pour tout à l'heure. Bonne journée, est-ce qu'ils regardent ça à 12h15? Ouais, c'est vrai. Vous avez bien mangé? Bon courage à ceux qui seront au travail. Ouais, et puis ben voilà, rendez-vous jeudi pour la prochaine vidéo. La suite des aventures. Là, je vous dis, tout va s'accélérer. Là, il va falloir qu'on avance. On va être tard dans le bus, je pense, à travailler jusqu'à temps que la mousse soit mise. Après, on va pouvoir prendre un peu plus ouais, notre temps. Parce que normalement, là, on est lundi soir. La fenêtre, elle arrive vendredi. Donc, on a tout le week-end pour la montée. Donc, je pense que ça, ça va le faire. Le week-end va être court et du coup, on aura mardi, mercredi, jeudi pour préparer les encadrements. Les encadrements, pas les encadrements, peinture. Mais l'intérieur des fenêtres, la peinture. Parce que vendredi matin 9h, les gars, ils arrivent pour la mousse. T'as bougé un sourcil, t'as vu, c'est mis en route. N'empêche, ça marche ouais, bien. Ça marche hein. Bien. Franchement, ce truc-là, donc, il sonne bien. On n'aura que quelques jours pour, du coup, après la fenêtre, pour tout préparer pour vendredi, quoi. Va falloir gazer. Donc, va falloir gazer, mais en même temps, je pense que ça va le faire. Ouais, ça va faire, pas de soucis. Il n'y a pas de raison. Les doigts du nez. Hein. C'est ça. Allez, on vous laisse. Allez, bonne journée, bon courage. Bye bye. Allez, à ciao. Bientôt. Même punition, à chaque fois, petit pouce. Abonnez-vous. Des bisous. Allez, bye bisous. Bye. Ciao. Ciao.